C'est tout à fait faux de prétendre que la vaccination pourrait conduire à l'infertilité. Ça n'est pas vrai qu'il y a dans le vaccin une protéine qui empêcherait le développement du placenta. Et c'est intéressant de savoir qu'en fait, cette accusation est très fréquente. Chaque fois qu'il y a un nouveau vaccin, quelqu'un prétend qu'il pourrait rendre infertile ou stérile. Et probablement, parce que c'est la crainte la plus importante d'une jeune femme, c'est de ne pas pouvoir avoir un enfant. Mais c'est aussi banal que faux.